première que nous puissions prier. Puissions prier pour notre pays. Nous avons entendu parler de la Tunisie, de la Côte d'Ivoire, du Soudan. Apparemment, nous avons l'impression que ça n'arrive qu'aux autres. Si tu ne pries pas, si je ne prie pas, ce qui arrive aux autres nous arrive. Tu peux avoir le passeport américain et l'Amérique ne t'a pas donné un nom. Tu n'as pas donné un grand frère ou un petit frère. Si tu ne pries pas, tu comprendras des choses trop loin. Si tu ne pries pas, au Royaume Kassam, tu pourras citer dans ma dame la rébellion en États-Unis. Si tu crois que je crois, nous prions le Congo, changera. Je le dis souvent. Là où l'ONU, l'OIA, le gouvernement congolais peut échouer, Dieu n'échouera. Je crois à ton apport, je crois à ta prière. Et si tu pries, les choses changeront. Tout commence dans les spirituels. Tout commence dans les spirituels. Ces moments sont, j'allais dire, dangereux pour le Congo. Si tu pries, si je prie, nous verrons des choses, nous apprendrons des choses. Moi, je viens fraîchement du Congo. Je ne sais pas si l'année de quoi avec vous. Vous entendez seulement parler des Bouluna. Si vous vivez cela, vous n'allez pas vous taire. Dans la Bible, il est écrit, pour l'amour des Sion, je ne guérirai pas. Et je prie que pour l'amour que tu as pour le Congo, et tu ne manques pas de moi, Dieu, Seigneur. Et tu ne manques pas de mots à dire au Seigneur. Il y a le vent de la mort, des tueries, des assassinats qui soufflent. Ça n'arrive qu'aux autres. Si tu ne fais pas attention, c'est qui arrive aux autres. Il y a le vent de la balkanisation. Nous avons le cas du Soudan. Plusieurs d'entre nous sont mariés à d'autres personnes. C'est-à-dire les gens de d'autres tribus. Si la balkanisation arrive, pensons à nos enfants. Si mon cœur me suit, je prie. Je veux que nous puissions prier. Je n'ai pas de mots à te souffler. Chacun de nous sait. Peut-être en fin de venir, vous avez reçu des coups de fil. En regardant sur l'internet, on voit tout ce qu'il y a. Il y a un mauvais vent qui souffle à notre pays. Quand on voit des vieilles mamans, de vieux papas, avec des fardeaux sur la tête, fuir la guerre, ça n'arrive qu'aux autres. Tu apprendras que telle situation est arrivée. Et vous serez plus malheureux que même. Il y a des moments qui font dépendre d'autres. J'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu portes ce Congo. Que ce vent de tribalisme qui est en train de prendre place dans les cœurs des gens soit délogé. Et cela risque de nous conduire à la balkanisation. Yahweh. Yahweh. Yahweh salalulenge na yo, salalulenge na yo. Yahweh, oh Yahweh sal, ya. Yahweh salalulenge na yo. Yahweh salafepo na Congo. Lève ta voix, prie, selon que l'Esprit de Dieu te conduira de prier pour ce pays. Seigneur, le Congo, que ce pays n'échappe pas à ton contrôle, Seigneur. Tout à l'heure, ton serviteur disait
la communauté internationale commence à se désengager. Elle sent comme si le Congo l'échappe. Et que le Congo n'échappe pas à toi, Seigneur. Que le Congo n'échappe pas à ton contrôle. Que ce vent de tuerie, Seigneur, mon Dieu, soit délogé dans les cœurs des gens. Que tous ceux qui méditent les tueries, les assassinats, Seigneur, soient dans leur confusion. Seigneur, c'est ton témoignage qui est véritable, nous dit ta parole. Seigneur, te présentons ce pays. Nous n'avons pas choisi d'être nés Congolais. Dans ta providence, tu as plu de nous compter parmi les Congolais. Seigneur, interviens. Interviens, mon Dieu, interviens. Interviens, ça souffle de partout. Que n'avons-nous pas appris dans les jours qui se sont passés au Katanga, en Mbujimayi, à Kinshasa, au Bas-Congo, à l'est du pays. Seigneur, donne-nous gloire à toi. Quelqu'un a dit dans ta parole, Seigneur, ne t'inquiète pas que le fait que nous périssons. Alors que tu es dans cette barque, quelqu'un a dit, ne t'inquiète pas, c'est que le Congo est en train de périr. Oh Dieu, te présentons ce pays. Comparativement à d'autres pays, nous voyons les autorités, les dirigeants de ce pays, aimer leur pays. Seigneur, qu'il en soit de même pour le Congo, Seigneur. Nous avons l'impression d'être dirigés, gouvernés par des gens qui n'ont pas de cœur pour nous, Seigneur. Donne-nous gloire à ton nom, Seigneur. Donne-nous gloire à ton nom, oh Dieu. Si ce pays peut échapper à un parti politique, mais que ce pays n'échappe pas à ton contrôle, Seigneur. Que ta volonté seule s'accomplisse dans ce pays. Je me dis que dans les cœurs de l'homme, il y a plein de projets, mais que seul le destin de l'Éternel s'accomplisse. Seigneur, les hommes ont des projets pour ce pays. Les hommes ont des projets pour ce pays. Et quel projet de quoi? De tuer. D'inciter à la violence. De faire la chasse à l'homme, Seigneur. Les règlements des comptes, Seigneur, que cela ne revienne plus. Nous avons connu le pillage, nous avons vu combien cela a mis le pays par terre. Plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça dans notre pays. Bien-aimé, prie, élève ta voix, crie. Pour l'amour que tu as pour le Congo, tu ne manqueras pas de moi. Il n'y a personne qui priera pour le Congo plus que toi. Il y a de ces choses qui peuvent s'éviter aujourd'hui et maintenant, si seulement tu pries. Et à cette heure, notre Dieu a penché son oreille en cet endroit. Il va écouter ce que tu lui diras. Seigneur, il y a eu des morts, Seigneur, plus jamais. Seigneur, donne-nous à ton nom. Confonde tout ce qui se médite, Seigneur, tout ce qui se fomente dans les lieux secrets pour nuire à la population, pour nuire au peuple congolais, à quelque endroit qu'il soit. Seigneur, s'il y a des bureaux d'études, Seigneur, qu'ils réfléchissent en France, aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Belgique, pour nuire au peuple congolais, Seigneur. Je prie que tu sèmes la tour de Babel, Seigneur, dans ces réunions. Qu'il y ait la confusion de langage, Seigneur. C'est celui qui méditera pour tuer, qui soit dans la confusion et même surpris de voir ce qui est le verse qui est en train de se faire. Donne-nous gloire à ton nom. Donne-nous gloire à ton nom. Donne-nous gloire à ton nom. Est-ce que ton vent
de ce que ta paix souffle dans le pays. De ce que ta paix souffle en Équateur. Ta paix souffle au bas.